Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, sale temps pour deux hommes de médias privés au Cameroun. Martinez Zogo est-il encore vivant? Le journaliste d'Amplitude FM a été enlevé hier, tandis que le directeur de publication du quotidien Le Messager, Jean-François Chanon, a été interpellé, puis relâché au parquet. Association des droits de l'homme et syndicat de journalistes crient scandale au musellement de la liberté de la presse. Fièvre des préparatifs des sénatoriales dans les deux régions anglophones en crise. Des bandes armées s'attaquent aux autorités électorales. Un responsable d'Elecam a été tué à Diakiri, dans le Ngok et Tundia, suite à une spirale de violence dans cette partie du pays. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Nous vous le disions en titre, enlèvement du journaliste Martinez Zogo. Des premiers éléments d'enquête révèlent que le journaliste a été enlevé par des hommes cagoulés. Selon des informations, Martinez Zogo a été appâté par un individu à bord d'un véhicule. Ce dernier aurait proposé un dossier compromettant sur une personnalité. L'on est jusqu'ici sans nouvelles du journaliste de la radio Amplitude FM. Les enquêtes se poursuivent et nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Des associations de défense des droits de l'homme et les syndicats de journalistes dénoncent l'arrestation de Jean-François Chanon. Le directeur de publication du quotidien Le Messager a été interpellé et relaxé pour une série d'articles portant sur un litige foncier dans la ville de Yaoundé. On voit tout cela dans ce reportage de Donald Brice Kamgan et Emmanuel Job. À son domicile au lieu dit Monté des Sœurs à Yaoundé, Jean-François Chanon est encore affecté. Le directeur de publication du quotidien Le Messager se souvient de sa privation de liberté. Après avoir été mis en cellule, le patron de presse a été libéré peu après, suite à une intervention du procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé, qui dit n'avoir pas donné d'ordre. On m'a reçu à la main courante du parquet, et c'est là que je me rends compte que je suis vraiment un détenu. On me demande ma carte d'identité, je donne, on dit recevez d'un, je vois un monsieur qui me prend, il me jette en cellule où se trouve... Les présumés malfrats, criminels et tout ça, dans une cellule assez réduite, mais où nous ne serions pas encore nombreux à cet instant-là. Auditionné en début de semaine par la gendarmerie, Jean-François Chanon répondait à une convocation liée à une plainte du sous-préfet de Yaoundé 7e. Plainte déposée par l'autorité administrative, non pas contre le journal, mais contre des villageois de Djebalé. Ce village de la région du littoral est le théâtre d'un litige foncier relayé par le journal Le Messager, qui recevra ensuite un droit de réponse d'un collectif de chefs traditionnels. Publié, le droit de réponse est jugé diffamatoire par le sous-préfet de Yaoundé 7e et l'île de Djebalé. L'autorité porte plainte contre les ressortissants de son terroir et le responsable du quotidien Le Messager est convoqué. Les articles sont là, l'article en question est là. Les faits ont été récoltés sur le terrain. Les journalistes, l'équipe de reportage qui est allée a récolté les faits. Il y a une pétition qui existe. Et que mon article, cet article, c'était pas le mien, l'article des journalistes du Messager, n'est pas vraiment attaquable du point de vue professionnel. Mais je crois que c'était un conflit entre villageois, entre natifs d'une contrée. Il y a d'autres personnes qui ont même réagi. Et en ce moment-là, j'ai l'impression que c'est là où le problème a commencé. Réputé critique contre le pouvoir, le quotidien Le Messager a vu plusieurs de ses journalistes arrêtés, agressés ou auditionnés ces dernières années au Cameroun. Les syndicats de journalistes et les organisations de la société civile mettent en garde contre une volonté de museler les professionnels de médias. Jean-François Chanon, pour sa part, se réserve le droit de poursuivre en justice les éléments de la gendarmerie, accusés de torture psychologique. Attente des élections sénatoriales sous fond de tensions dans le nord-ouest et sud-ouest. Un responsable d'Elecam tué à Diakiri dans le Ngok et Tundia par des hommes armés. Les populations et autorités administratives, traditionnelles et religieuses redoutent un regain de tensions dans ces deux régions en crise. On voit tout cela dans ce reportage de Pierre Laverdure-Omban.
C'est dans un contexte de tension dans les régions anglophones du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun, frappées depuis plusieurs années par des actions violentes de groupes séparatistes, que se tiendront les prochaines élections sénatoriales. Le test se veut être de grandeur nature, une énième fois pour le gouvernement du Cameroun après celle de 2013 et de 2018 dans ces régions en proie aux tensions et appelées encore une fois, comme les autres régions du Cameroun, aux élections sénatoriales. L'enjeu principal du scrutin pour le gouvernement du Cameroun est son bon déroulement dans les deux régions anglophones du nord-ouest et du sud-est frontalières du Nigeria, où la situation reste tendue en raison des activités de groupes séparatistes armés. Une opération pas facile pour le gouvernement camerounais, avec l'assassinat déjà il y a quelques heures des chefs d'antenne et les camps de la Momo et du Bui dans le nord-ouest du pays. Assassiné, selon nos sources, par des séparatistes dits de l'État d'Ambazoni. Cette attaque intervient quelques jours seulement après qu'un des leaders séparatistes ait appelé ses partisans à empêcher la tenue des élections sénatoriales dans ces deux régions. Ayabashou de l'Ambazonia Defense Force a en effet menacé de représailles tous ceux qui participeront à cette élection. Les séparatistes continuent à jouer le sentiment de frustration. De l'autre côté, le gouvernement du Cameroun tient à la ferme volonté à voir se tenir, et dans un contexte de paix, les élections sénatoriales de 2023. Intéressons-nous à présent à l'histoire de cette veuve détenue sans jugement à la prison d'un four. Ngono-Marie Chantal a été incarcérée pour un litige foncier l'opposant à Dame Ngono-Marguerite. Cette veuve est privée de liberté malgré les titres fonciers en sa possession. Gizogo pour d'autres précisions. L'affaire veuve Ngono-Marie Chantal contre le couple Mbida dans la localité de Mendong 1 par Fou est loin de connaître son épilogue. Veuve Ngono-Marie Chantal, emprisonnée depuis des mois en Fou, y reste incarcérée. À l'origine de cette affaire, un litige foncier l'opposant au couple Mbida pour 7000 mètres carrés de terrain. Croyant en être la propriétaire, veuve Ngono sera surprise de s'entendre dire que le couple Mbida en est plutôt le véritable propriétaire. On vient m'appeler ici à la maison que le champ de cacao de ton mari, on voit les gens de là-bas en train de couper le champ. J'ai dit que c'est là donc que je prends mes enfants monter là-bas pour aller regarder. Et quand on arrive, on trouve Mbida Tangna et son époux Ngono-Marie Marguerite. J'ai posé la question que ce travail-là, c'est comment? Elle m'a répondu que je fais de mes droits. Dans le désaccord qui s'en est suivi, la veuve Ngono a depuis lors été incarcérée parce qu'accusée d'avoir détruit le mur en béton érigé par le couple Mbida. Ce que veuve Marie Chantal Ngono nie, dénonçant plutôt les agissements de Marguerite Ngono. Prend sa limite comme elle veut parce qu'elle dit qu'elle a déjà ses titres. Dès que mon feu mari est parti, c'est grave, grave. Elle-même sait que je n'ai pas les moyens. Je veux faire quoi avec lui? Donc elle me nargue comme elle veut. Près d'un an plus tard, veuve Ngono croupit toujours à la prison d'un fou, sans jugement. Alors qu'Equinox Télévision s'était intéressée à cette affaire, elle avait essuyé la mise en garde par voie d'huissier de Marguerite Ngono, épouse Mbida, par ailleurs chef de bataillon, alors même qu'elle avait été sollicitée par téléphone et via WhatsApp. Plus tard, jointe finalement au téléphone, Marguerite Ngono avait expliqué devoir requérir l'autorisation de sa hiérarchie, en l'occurrence le ministre de la Défense, pour s'exprimer sur cette affaire. Depuis lors, il n'en a rien été. À ce jour, si Marguerite Ngono fait valoir deux titres de propriété sur ce terrain querellé, veuve Ngono, elle, maintient son opposition formulée par son époux avant son décès. Pour le moins, le maintien en prison de la veuve Ngono indigne autant les défenseurs des droits de l'homme qu'une bonne part de l'opinion. La division régionale de la police judiciaire pour l'Ouest neutralise un gang de 4 présumés malfrats. Ils sont accusés d'avoir perpétré une série de braquages à main armée dans les villes de Bafoussam, Yaoundé, Douala et d'autres localités du pays. D'autres précisions dans ce reportage de Vivien Tonfac et Robert Kenny. Deux pistolets dont un automatique et deux machettes ayant des dents. Voilà une partie de l'arsenal qu'utilisait ce gang de présumés braqueurs pour terroriser les habitants de plusieurs grandes villes du Cameroun. Après avoir ciblé les domiciles, ils planquent aux encablures des domiciles. Et lorsque les victimes regagnent les domiciles,
au moment d'ouvrir le portail, c'est avec une violence indescriptible qu'il se rue sur les victimes et sous la menace des armes, il les dépossède de leurs biens et d'énormes sommes d'argent. Très violent, il n'hésite pas à faire feu lorsqu'il y a une moindre résistance. D'ailleurs, cela a été le cas. Le 31 août 2022, pendant qu'il tente de secourir un voisin victime d'une agression, un jeune avait été grièvement atteint par balle. À la suite de ce énième forfait, la traque de ces hors-la-loi va s'intensifier et aboutit à un dénouement heureux. Le chef de ce gang, qui a été plusieurs fois géolocalisé dans les villes de Douala, Bouya et Limbé, se manifestait par son extrême volatilité, ce qui rendait son interpellation difficile. Finalement localisé à Yaoundé, nous avons immédiatement saisi le groupement spécial d'opération, GESO, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre la main sur ce brigand. Son exploitation par les collaborateurs de cette unité spécialisée va leur permettre de mettre la main sur les trois autres membres du gang, ainsi que deux armes à feu et des munitions. Et sur haute instruction du délégué général à la sécurité nationale, ces malfrats seront transférés à notre niveau pour la suite des diligences judiciaires. La division régionale de la police judiciaire de l'Ouest qui a mené l'opération met en garde les autres brigands encore en liberté. Tous ceux qui sont encore dehors sachent que n'importe où ils se trouvent dans toutes les régions du pays, ils peuvent être interpellés parce que nous travaillons en synergie. L'interpellation de ces présumés malfrats est le fruit de la collaboration entre différentes unités de police, une collaboration salué par le chef de la police judiciaire à l'Ouest. L'hôpital régional annexe d'Ayos agonise depuis des décennies. Ce bâtiment en décrépitude, sans eau ni électricité, reste très inconfortable pour les patients. Le constat a été fait par le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, en mission d'évaluation dans cette partie du pays. Élisée Bogbar et Ben-Christine Moudio. L'hôpital régional annexe d'Ayos dans le département du Nyon-Ifoumo, région du centre, est dans un état critique. Taux de fréquentation quasiment nul, bâtiment partiellement décrépit, mais surtout problème d'accès à l'eau, à l'énergie. En visite d'évaluation, notamment du plateau technique de cette formation sanitaire, le ministre de la Santé publique a été assailli par un chapelet de plaintes. La première liste des dénonciations est présentée par les élites de la localité. Moi je tenais à ce que vous venez ici et vous venez donc découvrir ce château qui peut alimenter tout l'hôpital s'il était réhabilité. Le devis que moi j'ai eu envoyé à votre niveau et que je suis venu déposer dans vos bureaux concerne la réhabilitation de tout le circuit d'eau et la construction des nouveaux forages. Les autres plaintes sont servies par le personnel sans prendre de gants. L'hôpital n'a pas de toilettes, l'hôpital n'a pas d'eau. Nous avons des accidents qui arrivent ici, pas de remède à la pharmacie. Des accusations, dont certaines, sont reconnues par la direction de l'hôpital. Le problème en énergie électrique, évidemment, est un gros problème. On passe parfois des jours, voire des semaines sans électricité. Nous avons quand même un groupe de secours qui, c'est vrai, à cause de sa consommation, nous ne pouvons pas utiliser souvent. Mais au moins, en cas d'urgence, si on doit rapidement aller au bloc ou opérer un patient, on peut quand même utiliser ce groupe. Face à ce diagnostic inquiétant, le ministre de la Santé publique a pris des engagements. Dans un premier temps, il va consister en l'autonomisation de l'hôpital en eau et en électricité, parce que c'est un gros souci ici. Sur un autre plan, le plan infrastructurel, nous avons vu qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de bâtiments qui sont déjà devenus vétustes, qu'il faudrait réhabiliter. Cette formation sanitaire se meurt alors qu'elle est vieille de plus d'un siècle. Ses origines remontent au centre sanitaire allemand, créé par l'un des pères de la médecine au Cameroun, le docteur Eugène Jamon. La commune de Matombe enfante son budget 2023 dans la douleur. Le conseil municipal, qui s'est réuni dans un climat électrique ponctué de tiraillements et disputes, a finalement arrêté son budget à la somme d'1,5 milliard de francs CFA. C'était en présence de nos reporters Joël Yem et Christine Babanda.
La commune de Matombe est en proie à des convulsions animées par le maire et ses conseillers. Au cours de la session ordinaire du budget 2023 de cet arrondissement, adopté à près d'un milliard et demi de francs CFA, des éclats de voix ont fait florès dans la salle malgré la présence de l'autorité administrative. Les collaborateurs du maire, qui n'ont plus leur langue dans leur poche, lui reprochent une mauvaise gestion du centre d'état civil de Matombe. Nous lui demandons donc de justifier les fonds qui rentrent dans la commune. Comment est-ce qu'ils sont faits? Puisque nous avons obligation de rendre compte. À sa gestion opaque s'ajoutent des malversations financières de toutes sortes. Comme si cela ne suffisait pas, les collègues du chef d'état civil de Matombe, dans le département du Nyong-Ekélé, lui reprochent son manque de collaboration. J'aimerais savoir en incipit, pour me positionner sur cette session, le type de réunion à laquelle nous sommes conviés. Des accusations rejetées en bloc par le mis en cause. Nous n'avons rien à cacher au niveau de la commune de Matombe. Mais seulement, quand on est dans le cadre du vote du budget et les gens sont en train de parler plutôt du compte de gestion, du compte administratif, moi je pense que c'est une situation un peu plus divisée. Présent à ce conseil, le préfet du département du Nyong-Ekélé, Norbert Kuela, a pu éviter le pire. Je me retrouve pour la deuxième fois ici à Matombe, dans le cadre du conseil municipal consacré à l'examen, au vote et à l'adoption du budget de cette collectivité. L'autorité administrative de cette localité invite les deux parties à fumer le calumet de la paix et à œuvrer pour le bien-être des populations de Matombe. Le Fonds monétaire international se satisfait de la reprise de la croissance au Cameroun après la difficile période marquée par la pandémie de COVID-19. Le chef de mission arrivé en fin de séjour a échangé avec le ministre des Finances. Louis Paul Motazé et Sémil Sankak ont porté sur les réformes du gouvernement camerounais pour booster le secteur privé et garantir une reprise sereine de l'activité économique. Je vous propose d'écouter le chef de mission du Cameroun, Sémil Sankak. Il est au micro de Marcelin Ganson. Et je vous le disais, le Fonds monétaire international qui se satisfait de la reprise de la croissance au Cameroun après la difficile période marquée par la pandémie de COVID-19. Le chef de mission arrivé en fin de séjour a échangé avec le ministre des Finances, Louis Paul Motazé. Leurs échanges ont porté sur les réformes du gouvernement camerounais pour booster le secteur privé et garantir une reprise sereine de l'activité économique. Je vous propose de l'écouter. Nous avons eu des échanges très francs et productifs. L'économie, je peux vous dire que la croissance continue depuis le COVID-19. Donc, le progrès dans l'économie continue et l'augmentation de la croissance continue. En fait, il y a plusieurs facteurs exogènes qui ont un impact important sur le pays. Vous savez que l'inflation a augmenté. Donc, c'est un impact sur la vie de la population. Nous avons discuté les facteurs qui sont exogènes et aussi les facteurs qui sont endogènes, donc les réformes que le gouvernement peut mettre en œuvre, les réformes qui sont importantes pour le développement du pays. Un objectif important est une croissance tirée par le secteur privé. Donc, on a discuté sur comment on peut créer des conditions pour une croissance inclusive. La 11e promotion des diplômés d'état-major opérationnels sur le terrain. Les lauréats camerounais et togolais ont été formés aux opérations stratégiques de maintien et de soutien à la paix de l'Union africaine et l'ONU. Élisée Bogbar et Marcelin Ganson. Secoué récemment par une crise sécuritaire dont les séquelles sont encore visibles, c'est en République centrafricaine que ces 20 stagiaires, policiers et gendarmes confondus, ont effectué leur mission d'étude.
Question de s'imprégner des réalités du terrain et de les confronter aux connaissances théoriques et pratiques acquises sur le campus de l'Air Force à Hawaï. La mission d'études en Afrique effectuée à Bangui, la République centrafricaine, a été une opportunité de voir une mission de paix dans toute sa dimension, son organisation structurelle, les défis et enjeux sécuritaires auxquels elle fait face dans un environnement à risque. Ce sont donc des femmes et des hommes aguerris et aptes à servir au sein d'un état-major central ou territorial, en temps de paix ou en temps de crise, qui reçoivent ici le diplôme de fin de formation. En outre, ces stagiaires, dont 19 Camerounais et un Togolais, sont prêts à être déployés et à donner entière satisfaction dans le cadre des opérations de soutien à la paix. Nous avons joint la pratique à la théorie. Nous avons appris d'abord à travailler en état-major en temps de crise. Nous avons appris également à travailler dans des situations difficiles sur le terrain des opérations des Nations Unies et lors des crises internes. Nous avons appris surtout à travailler en groupe. Nous sommes désormais capables de tenir des hautes fonctions de commandement et celles d'état-major, que ce soit tant dans les composantes nationales, sous-régionales, régionales ou internationales, à l'instar de l'ONU par exemple. La formation, ça n'a pas été facile, c'était beaucoup de challenges, beaucoup de défis. Surtout quand vous savez, on se retrouve entre fonctionnaires, officiers de gendarmerie et les hauts fonctionnaires de police. C'était justement une expérience nouvelle et on en est vraiment satisfait. En franchissant ainsi sa 11e borne, l'École internationale des forces de sécurité conforte son leadership en tant que première institution en Afrique et dans le monde à mettre en place ce niveau de formation au profit de la police et de la gendarmerie. Le stage du diplôme d'état-major des forces de sécurité de l'Air Force tient le pari de la pertinence, de l'opérationnalité et de l'interopérabilité. Les stagiaires ont été invités à ne pas dormir sur leur laurier. Au contraire, ils doivent capitaliser les connaissances acquises à l'Air Force en vue d'un meilleur rendement sur les différents fronts où ils seront appelés à servir, aussi bien à l'intérêt de leur pays qu'à l'étranger. Prenons à présent ces nominations issues de l'Assemblée générale du groupe La Nouvelle Expression, Equinox Télévision et Radio, présidée ce jour par le directeur général Séverin Tchunke. Rédacteur en chef Equinox Télévision, Serge Alain Autour, rédacteur en chef adjoint numéro 1, en charge du Dex anglais Anne Abila, rédacteur en chef adjoint, rédacteur adjoint numéro 2, Donald Brice Kamgan. Coordonnateur centre, sud, est, avec rang et prérogative de rédacteur adjoint Jean Guizogo. Grand reporter Marcelin Angansop, Julienne Berthe Bissay, Gladys Sidier, conseiller auprès du président directeur général Nana Paul Sabin. Coordonnateur ouest et nord-ouest Vivien Tonfac et chef service des programmes Charles Armel Mbatiou. Et ce sont les nouvelles nominations issues de l'Assemblée générale présidée ce jour, ici même au siège d'Equinox Télévision, par le président directeur général Séverin Tchunke. À présent, la page internationale. Au Togo, le demi-frère du chef de l'État entame sa 12e année en prison à Lomé. Il avait été en 2009 condamné pour tentative de punch. Et en Guinée équatoriale, le fils du chef de l'État passe son deuxième jour en résidence surveillée pour corruption et vol d'un avion de la compagnie nationale Seibar. La mouture internationale est signée Ulrich Konomala. C'est l'un des fils du président de la Guinée équatoriale. Depuis près de 48 heures, Ruslan Obiangsu est placé en résidence surveillée. L'ancien secrétaire d'État chargé des sports et de la jeunesse est soupçonné d'avoir vendu un avion de la compagnie nationale Chéiba Intercontinental et dont il en est le directeur général. Depuis 2018, l'avion ATR 72-500 se trouvait en révision de routine en Espagne, pays dans lequel l'appareil a été vendu à une entreprise exerçant dans la maintenance aéronautique. Son arrestation a été ordonnée par son demi-frère Théodore Nguéman Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale, qu'il a annoncé sur son compte Twitter. Ruslan Obiang a avoué qu'il était la personne qui a vendu l'ATR de Seiba. Je ne vais pas me laisser emporter par le familiarisme ou le favoritisme. C'est pourquoi j'ai ordonné son arrestation immédiate
et sa mise à disposition de la justice. À quelques milliers de kilomètres de là, l'ancien ministre togolais de la Défense purge sa 12e année de prison. Demi-frère du président togolais, Patcha Nyaksimbi a été arrêté en 2009. Accusé d'avoir fomenté un coup d'état contre Faure Gnassingbé, il est condamné à 20 ans de prison en 2011. Le verdict de la Cour suprême est sans appel. En 2021, l'état de santé du demi-frère du président s'aggrave et malgré les multiples sollicitations des avocats et médecins, sa demande d'évacuation sanitaire est rejetée. Sport à présent, clap de fin pour le tournoi de l'UNIFAC Limbé 2023. Comme en 2021, les Lions Indomptables de moins de 17 ans remportent le titre de champion de la compétition. Celui-ci leur permet de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au mois d'avril en Algérie. Fabrice Elumo. Du tournoi de l'UNIFAC. Un sacre synonyme de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans prévue au mois d'avril prochain en Algérie. Avec deux victoires en deux matchs, les Lions Indomptables U17 ont terminé sur la première marche du podium de ce tournoi zonal. Jean-Pierre Fiala Fiala et ses poulains ont tout d'abord explosé les fauves de l'Ubangi de RCA à l'entame du tournoi, 4-0. Avec à la clé un doublé et une passe décisive du jeune Angel Yondjo. Lors de leur deuxième rencontre, les Lionceaux camerounais dominent leur homologue du Congo-Brazzaville, 2-0 avec une fois de plus un but de Angel Yondjo. Des prouesses qui permettent aux pensionnaires de l'école de football des Brasseries du Cameroun de s'adjuguer les titres de meilleur joueur et meilleur buteur de la compétition avec 3 buts et 2 passes décisives. Un bilan qui confirme la suprématie des Lions U17 dans ce tournoi zonal Afrique centrale. Le Cameroun, tenant du titre de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, sera accompagné à la prochaine édition de la compétition du Congo-Brazzaville pour le compte de l'Afrique centrale. Notons que ce tournoi UNIFAC s'est déroulé avec 3 équipes après la disqualification du Tchad pour fraude sur l'âge et le forfait de la République démocratique du Congo. Que va devenir Francis Ngannou après son départ de l'UFC? Le double champion du monde est en désaccord avec le patron de cette organisation. Le natif de Batié a rompu son contrat. Jean-Paul Boyo nous en dit un peu plus. Après l'officialisation de la rupture de son contrat avec l'UFC, Francis Ngannou, qui a inscrit son nom en lettres d'or dans la MMA, a tenu à apporter des précisions sur l'échec des négociations du renouvellement de son contrat avec Dana White, patron de l'UFC. Les contractants de l'UFC sont assez contraignants. Nous, contractants indépendants, n'avons pas vraiment assez de droits. Donc, je ne pouvais pas faire ça. Face à une offre déclinée de 8 millions de dollars, soit 4 milliards de francs CFA, la légende Ngannou, en digne indomptable, dit avoir privilégié le principe de la liberté plutôt que le volet financier. That's called freedom, you know. Ça s'appelle la liberté, être capable de terminer un contrat et entamer un second. Et si le nouveau contrat ne respecte pas les termes de vos conditions, vous êtes libre de ne pas le signer. Autre désaccord pas des moindres, le double champion du monde réclamait entre autres un droit de sponsoring, une assurance maladie à tous les combattants, un avocat représentant les combattants au conseil d'administration, ce qui n'a pas pu être respecté. La chose dont j'ai peur, c'est d'être dépossédé de ma liberté qui m'est d'une grande valeur. Malgré le divorce avec l'UFC, Ngannou Anking a toujours émis sa volonté de boxer. Il reste très courtisé par d'autres organisations. Vous savez, je suis le meilleur, le roi. Bien qu'aucune discussion n'ait été dévoilée, il pourrait en juillet écrire un chapitre de sa carrière contre Tyson Fury ou Anthony Joshua. Fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Ne quittez surtout pas. Equinox Soir se poursuit dans quelques instants avec Serge Alotou à la présentation. Très bonne soirée à tous.